Hippolyte ! Notre voleur de pain d'épices est revenu ! Malédiction ! Il a volé le dessert des enfants. Peut-être qu'il rôde encore autour du camp. Ne craignez rien, Odile. Je ne laisserai pas ce monstre semer la terreur dans le camp. Un monstre? Mais de quoi vous parlez? Du bougonnieux râleur. C'est une créature qui hante la forêt et qui raffole du pain d'épices. Mais il est sûrement déjà loin. Aucune raison d'avoir peur. N'empêche, on ne va pas se laisser manger notre pain d'épices sans rien faire. Dès demain, nous partirons à la chasse aux bougonnieux. Youhou ! Qui est volontaire pour cette formidable aventure ? La table de Lisa, pour changer. Tout ça, c'est du bluff. Hippolyte a tout inventé pour se goinfrer de pain d'épices en cachette. Et s'il y avait vraiment un monstre, tout poilu, avec plein de dents ? Enfin, une créature mystérieuse qui hante la forêt, dont la gourmandise est légendaire. Ça vous rappelle rien? Mais oui, le bougonnieux râleur. C'est comme ça que les adultes appellent le flapacha. Oh pas question de guider Hippolyte jusqu'à lui. Voilà ce que nous allons faire. Vous êtes une vraie comédienne, Odile. Les enfants n'y ont vu que du feu. Oh, Hippolyte, grand flatteur. Vous n'êtes pas mal non plus. Vous devriez faire du cinéma. C'est vrai que j'ai un petit quelque chose. Du talent, peut-être. Il y a quoi dans cette boîte? Ah, ça! Ce sont les bottes du bougonnier râleur. Plutôt réussi, n'est-ce pas? Oh, très impressionnant. Vous êtes vraiment doué de vos mains. Si vous le dites. Annette, à vous de jouer. C'est moi qui fais le bougonnier à l'heure? Mais bien sûr, vous êtes faite pour ce rôle. On va casser la baraque. Enfin, ne leur faites pas trop peur tout de même. N'ayez crainte, nous sommes des professionnels. On va bien s'amuser. Debout là-dedans! Que la chasse aux bougonnieux commence. Oh, regardez. Du pain d'épices. Le bougonnieux est passé par là. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on va prendre notre petit déjeuner. C'est le repas le plus important de la journée. Mais les indices, le bougonnieux, le mystère. Regardez, des griffures de la bête. Oh ben, finalement, c'est pas si compliqué d'être un bougonnieux. J'en peux plus. Au moins, je suis dans la bonne direction. Tu as faim? Regarde ce que j'ai pour toi. Petit, petit. Viens, approche. Oh. C'est une boussole. Fais attention, j'y tiens. Reviens! Quelqu'un veut m'aider à trier mes céréales? J'aime pas trop les raisins secs. Avec plaisir, cousine. Dieu. Mais où est Annette? Elle a certainement été kidnappée par le bougonnier râleur. Oh, c'est terrible! Oh, quelle tragédie! Mais pourquoi le flapacha aurait enlevé Annette? Attendez, c'est pas son genre. Sauvez-la, Hippolyte! Je dois rester pour garder le camp. À vos ordres, madame la directrice. Si on bouge, on risque de conduire Hippolyte jusqu'au flapacha. On doit prendre le risque. Annette a peut-être besoin d'aide. Allez, Hippolyte, du nerf, on y va. J'arrive. Petit. Oh.
ma boussole. Génial. Comment je vais faire maintenant? Allez, courage ma fille. Il suffit de s'orienter avec le soleil. Oh. Bon ben, je vais essayer par là. Ah! Heureusement que cette branche m'a... Regardez, les griffures de la bête. Et là, encore des empreintes. Oh, allons-y. Cette histoire d'enlèvement, ça ne ressemble pas au flapacha. C'est peut-être de ma faute, en fait. Eh ben ouais. Hier, Annette m'a obligée à me laver les pieds. Ça m'a énervée et pendant une microseconde, j'ai souhaité qu'elle disparaisse. Oh, le flapacha a exaucé ton vœu. N'importe quoi. Si le flapacha a emmené Annette, il a forcément une bonne raison. Oh oh, je crois que Squeak a trouvé une piste. Bon, je vais bien. Tout est sous contrôle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce sont les pantoufles de mon grand-oncle. Je les cherchais partout. En attendant, on n'a toujours pas retrouvé Annette. Allez hop, au boulot! Oh, c'était pas prévu, ça. Est terminée. Oh, mais c'est ça. Sa boussole. Ah, T'as remarqué comme Hippolyte a l'air nerveux? Bof, comme d'hab, non? Eh, hey, venez voir. J'ai trouvé la boussole d'Annette. J'espère qu'elle se trouve pas dans le même état. Tout ce pain d'épices a sûrement rendu fou le flapacha. Il doit errer dans la forêt à la recherche d'une nouvelle victime. N'importe quoi. Le flapacha, c'est pas un monstre. Pas vrai, Matt? Ouais. C'est bizarre quand même. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est vous, Annette? Maman. Et en plus, vous n'avez aucune preuve. Le boubou... Ça va, Hippolyte? Le bougonieux? Le bougonieux existe? Au début, c'était une blague, mais en fait, c'est pour de vrai. Oh là là, pauvre Annette. Oh. Ah, je vois. C'est un bobard monté de toutes pièces. Oui, c'est ma faute. Le bougonieux s'est vengé parce qu'Annette imitait ses traces. Oh, c'est trop cruel. C'est bien ce que je pensais. Le flapacha n'a rien à voir là-dedans. Pourtant, Hippolyte a vu quelque chose. Vous êtes sûr que c'était ici? Oui, il était là. Énorme et méchant et... Évidemment, il a disparu. Tiens, tiens, encore des fraises. Elles ont un goût de pain d'épices. T'as raison, c'est incroyable. Bon, ces murchoises, elles ont un drôle de goût. Brian, c'est des crottes de lapin.
Matt? Oh. Pas de doute, c'est un message du flop à chat. Oh, c'est quoi ça? Aucune idée. On dirait une espèce de flèche. Lisa! Tout va bien. Enfin! Ah, merci les enfants! Vous l'avez vu? Dites-moi que vous l'avez vu! Pousse, on ne joue plus, Hippolyte, hein? Le bougonnieux! Le voilà, votre monstre, Hippolyte! Un raton laveur! Je vous ai bien eu, hein? Ouais, on y croit. Oh, c'était juste pour pimenter un peu le jeu de piste. Mais je vois que vous n'êtes pas tombé dans le panneau. C'est bien. C'est bien. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais il est grand temps de rentrer au camp. Odile va finir par s'inquiéter. Charmant, ce raton. Elles sont bonnes, les fraises, cette année. Elles ont un petit arrière-goût de pain d'épices. Très sympa. Merci, Flop à chat. Oh, j'en peux plus. C'était pas ton idée de faire des châtaignes grillées pour le goûter? Si, mais je savais pas qu'Hippolyte allait nous désigner pour les ramasser. Ah. De toute façon, on en a suffisamment. Allez, viens, on rentre. Posez ça au réfectoire. Je vous rejoins après ma comptabilité. Prête? Cette fois, c'est ton tour. Ah, t'as les mains moites, c'est une horreur. Merci, Matt. C'est qui, Matt? Ha ha ha. Tu devrais garder ton chapeau, ça protège des coups de soleil sur la tête. Alors, t'as ramené des châtaignes? Non, mais je sais où en trouver. Je peux vous montrer si vous voulez. Franchement, tu trouves qu'on a des têtes à ciser les ongles pour faire la cueillette? Non, mais je vous trouve jolie quand même. Ah. Ah, c'est plus de mon âge, les travaux physiques. Oh. Hein? Squeak, tu nous as fait peur. Hep, hep, hep. Repose ça, mon gaillard. Laisse tomber. Il a droit à sa part, lui aussi. 3200,43 plus la racine carrée de 12,8 égale 3204. Trop facile. Bizarre, cette eau. Elle vient de quel lac? Burk, je sais pas comment tu fais pour boire ça. Ah, mon cahier! Si tu vois Matt, dis-lui que nous aussi, on le trouve trop mignon. Surtout depuis qu'il a changé de look. Il est trop chou sans son chapeau. Ah. Qu'est-ce qu'elles voulaient, les grincheuses? Rien, rien. Laisse tomber. Incroyable, non? C'est un ballon de foot. Merci. Bon, tu peux le reposer que je tire mon penalty? Prêt?
voir dans quel état tu as mis mon cahier de maths. Tu vas me payer un autre ballon, mec. Mais j'ai rien fait. Ah, vous avez mangé des prunes de l'arbre à délire, c'est ça? Attendez, ça ne peut pas être lui, on était ensemble toute la journée. Matt, est-ce que tu as dit aux jumelles qu'elles étaient mignonnes? T'es folle! Jamais de la vie! Je le jure! Sur la tête de mon téléphone portable! Elles ont dit que tu étais chou sans chapeau. Venez! Faut que je vérifie un truc! C'est vrai que tu nous trouves jolies. Toi aussi t'es pas mal, tu sais! Écoutez ça! Le lac de la forêt est habité par des esprits qui peuvent prendre notre apparence si on se regarde dans l'eau. Quand je me suis mis de l'eau sur la figure, j'ai retiré mon chapeau. Sérieux, tu les trouves vraiment mignonnes, les jumelles? C'est pas moi, je te dis. T'as pas encore compris que c'est mon reflet qui se balade dans la nature? Il faut absolument qu'on le retrouve. Alors? Rien. C'est bizarre, il a pas plu depuis 10 jours. Ah, je te tiens, faux frère. On joue? Non, c'est pas un jeu. Écoute, tu mets en danger le secret de la vallée en restant ici. Il faut que tu retournes au lac. Pourquoi? Je m'ennuie là-bas. C'est l'heure du goûter. Qui veut des châtaignes? Moi. J'en ai jamais mangé pour de vrai. Tu verras, c'est délicieux. Oh, j'y crois pas. Il me pique ma place. Matt, passe-moi du bois, s'il te plaît. Qu'est-ce qui... Il est tout trempé. Eh bah oui, c'est parce que j'ai... la rosée de 4h12, c'est bien connu, non? Ouais. Wow, c'est beau. Matt, on t'a déjà dit que tu avais les yeux bleus, comme un lac profond? Oui, on me le dit tout le temps. Manquerait plus qu'il mange mes châtaignes en plus. T'inquiète pas, il y en a assez pour tout le monde. Allez, viens. Non, je... Vous êtes sympas, les filles. D'ailleurs, c'est vous les plus sympas ici. Oh, Matt, c'est trop beau ce que tu dis. Non, vraiment, je sens que le courant passe entre nous. C'est dingue. On a ressenti la même chose. Matt, qu'est-ce qu'ils nous... J'ai vu deux Matt. Il y avait deux Matt. Calmez-vous, Hippolyte. Vous avez eu une légère hallucination, ce n'est rien. Ils étaient deux, les mêmes têtes. Cherche pas à nous mettre des bâtons dans les roues, chérie. Sinon, c'est la guerre. Matt, je crois qu'on a des choses à se dire. Vous êtes sûre? Certaine. Le problème, c'est que l'esprit du lac se sent trop bien ici. Il faudrait lui faire comprendre que... Chut! Matoulet! Où est-ce que tu te caches, petit coquin? On n'a pas terminé! Elle te kiffe grave. Je t'envie, mec. Oh non, tu peux pas imaginer comment c'est horrible. Je ne suis pas fou! Ils sont là. Je sens leur présence. Venez, Hippolyte. Vous avez besoin de repos. Une bonne tisane vous fera le plus grand bien. Vous croyez? Bien entendu. Vous êtes en proie à un léger surmenage, mais tout va bien se passer. Hein? Je ferai la comptabilité à votre place, si vous voulez. Oh, je veux bien. Donc, je disais, les jumelles, c'est un cauchemar. J'en ai vécu des trucs, mais là, personne ne peut supporter ça. Matt, t'es génial! Je sais. J'ai un plan. Merci. Ouh, Matoulet, t'es où? Oh, ça y est, ça recommence.
chance. Je vois double. Bon, j'espère que ça va marcher ton truc. Ohé les filles! Ok, ok, j'avoue. Moi aussi, je craque pour vous. Ah, c'est tellement romantique! Sauf que je sais pas laquelle choisir de vous deux. Hein? Alors voilà, celle qui sera le plus souvent avec moi sera l'élue de mon cœur. Ok, de toute façon, c'est moi qui te préfère. Hé! Hey, il est à moi! Voleuse! À moi! Non, à moi! Arrête de faire le perroquet! C'est toi d'abord! Y'a plus qu'à attendre maintenant. Non, viens avec moi. J'ai préparé des petits gâteaux comme tu les aimes. Hé, hey, laisse-nous. On a des trucs à se dire. Ne lui parle pas, Matt. Elle est complètement folle. Viens par là. Oh, il est à moi. Jamais de la vie. Espèce de brute. Attendez. Je l'aime pour de vrai. Moi, je l'aime deux fois plus pour de vrai. Ah, complètement hystérique. Moi? N'importe quoi, tu t'es pas vue? Pourquoi elles sont comme ça? C'est l'amour, mon ami, t'as vraiment une côte d'enfer. Elles vont pas te lâcher. Finalement, je préfère mon lac, c'est plus calme. Aïe, j'en connais qui vont être déçus. À la prochaine. Vous m'excuserez auprès des filles. T'inquiète, on transmettra. Bye bye. Il était mignon quand même. Youhou! Yes! Ça fait du bien d'être un modèle unique. Il est revenu! Stop! On se calme. J'ai changé d'avis, je suis plus amoureux. Désolée. Soyez pas triste, hein. C'est la vie. Un de perdu, 10 de retrouvé. Non mais pour qui tu te prends? On te quitte, tu te fais larguer, ok? Quel ringard! Ça va aller, Matt? Pas trop triste? Je crois que je m'en remettrai, merci. T'inquiète, je suis là, moi. Oh les amoureux, oh les amoureux. Abandonne, Gringo, t'as aucune chance. Ah ouais, c'est ce qu'on va voir. Prends ça. Rendez-vous les Yankees, vous êtes cernés. Par qui? Une petite scrou et son écureuil miniature. Œil de faucon, ramène ta plume. C'est pas juste. Pourquoi je peux pas être un cow-boy? Parce que tu as du sang indien, je te rappelle. Si Wapi Thérèse t'entendait, elle te scalperait. Et c'est reparti. Elle va encore nous parler de ses ancêtres indiens. Je suis sûre que c'est que du pipeau tout ça. N'importe quoi! Je suis une vraie indienne et je peux te le prouver. J'ai personnellement hérité des dons de ma grand-mère. Isa, n'en fais pas trop non plus. C'est la vérité. Mamie m'a appris à lire l'avenir dans la terre sacrée. Alors, tu vois quoi? Que tu vas te prendre un bide? Chut, tu me déconcentres. Les esprits me parlent et ils me disent que tu les as vexés. Par conséquent, tu vas te recevoir la colère du ciel sur la tête. Ah! Je vous ai bien eu, pas vrai? En fait, c'est Odile au-dessus qui... Non, rien, laissez tomber. Et alors là, la pluie est tombée sur Brian. Incroyable, non? Heureusement que j'avais dit de laisser tomber. Y'a rien d'incroyable, hein, c'était juste une coïncidence. Disons que c'est plus de l'intuition.
C'est comme si je prédisais en regardant le fond de mon assiette que Malik allait bientôt provoquer une catastrophe. Hé hey, pourquoi toujours moi? T'as vraiment lu l'avenir dans ton assiette de purée? Est-ce que Brad va avouer son amour à Cindy dans la série Love de toi? Est-ce que j'aurai des bonnes notes en maths l'année prochaine? Vas-y, balance un scoop, un truc de ouf que je pourrais annoncer sur mon blog. Mais non, j'en sais rien, moi. Des volontaires pour éplucher les concombres? Moi? J'ai toujours adoré éplucher les concombres. Bah, et mon super scoop, alors? T'as qu'à faire des prédictions toi-même. Qui sait? T'as peut-être un don, toi aussi. Alors, qu'est-ce que tu vois? Eh bien... C'est-à-dire que... Laisse-moi deviner. Tu vois de la boue dans une assiette, c'est pas ça? Attendez, il y a quelque chose. On dirait la lettre F. F, comme Flapacha. On va rencontrer le Flapacha? Génial! C'est quoi le lieu de rendez-vous? C'est un endroit boueux. Très boueux. Les marais brumeux. C'est super boueux là-bas. Super dégoûtant surtout. Nous, la boue, c'est entalasso ou rien du tout. Salut la compagnie, on quitte le navire. Lâcheuse. De toute façon, Hippolyte a interdit d'y aller. Dégoûtant? Interdit? J'adore déjà cet endroit. Alors les trouillards, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Hé, sympa les filles, vous venez me donner un coup de main? Matt organise une expédition dans les marais et toi, tu joues à éplucher des légumes. Y a pas à dire, vous savez vous amuser dans la famille. Les marais? Mais c'est dangereux là-bas. Matt a prédit qu'ils y trouveraient le Flapacha. Mais tu dois le savoir puisque vous avez les mêmes pouvoirs. Ouais, ben, pour se mettre dans le pétrin, Matt est plus fort que moi. Allez, viens, Squeak, il faut les retrouver. Waouh, mortel! Hein? Bon, le Flapacha ne devrait plus être loin. C'est mon instinct Sioux qui me le dit. Moi, le mien me dit qu'on ferait mieux de rentrer. Hey! Pousse-toi, Malik! Je m'en charge! Ça va, Brian? Impec, c'est délicieux. Oui, vous êtes là? Matt! Tu peux les retrouver à l'odeur, Squeak? Je vois, tu n'es pas fan de cet endroit. Allez, reste ici, j'y vais toute seule. Merci, camarade. À mon super instinct, j'ai retrouvé la trace du Flapacha. Mais on dirait les tongs de Brian, non? Affirmatif. Je le crois pas. On est retourné à notre point de départ. Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que ton super instinct de Sio te dit de faire maintenant? Ben là, j'avoue, je sais plus. Greta! Mali! Non! Reviens! S'il te plaît!
c'est cadeau. Oh non. Oh, quelle gourde! J'ai perdu leurs traces! C'est l'heure du goûter. On tire à la courte paille pour savoir qui on mange en premier. Je suis vraiment le sorcier le plus nul du monde. C'est pas possible! Il doit bien y avoir une pancarte, quelque chose. Faut dire aussi qu'on voit rien avec... Satané brouillard. Super idée, Malik! Du haut de l'arbre, on trouvera sûrement la sortie. Ah, ouais, c'est ce que je me disais aussi. Laisse faire le roi de la grimpette! Accroche-toi, comme au rodéo! Rien ne résiste à Buffalo Brian! J'aurais jamais dû faire croire à Matt qu'il avait un don. Ah, c'est quoi ce truc? C'était quoi ce bruit? Le flapacha! Je crois qu'il essaye de communiquer avec nous. Hein? Hé, flapacha, attends, juste une photo! C'est trop bête. Il était juste là. Matt, tu devrais revenir. Hein? Hé, faites gaffe. Le sol a l'air de monter. Ben, c'est plutôt toi qui descends, en fait. Des sables mouvants. Aidez-moi! Aidez-moi! Arrête de bouger, c'est pire! Ça marche pas! Attrape! Merci pour la branche, le copain. Quelle branche? Qui est là? Je suis contente de vous retrouver, bande d'inconscients. C'était Lisa. Je le savais. Mais alors c'est... Laisse tomber. Culpabilise pas. C'est de ma faute. J'aurais jamais dû lancer cette histoire de prédiction bidon. Non, mais c'est toi qui m'as tendu la branche, alors. Hein? Et de quoi tu parles? Super émouvant, bravo. Et merci de nous avoir mis dans le pétrin, hein. Lisa, j'imagine que tu sais comment sortir de là, hein? Eh ben, pas vraiment, en fait. On est cuit. C'est un plaisir d'avoir fait ta connaissance, Greta. Squeak! Lui, il sait! Wow! Allez, on y va! Je suis chaud, là! Et si c'était le flapacha qui m'avait tiré des sables mouvants? Matt, oublie! Tu n'es pas devin! C'est de la blague, tout ça! Le dernier arrivé au camp est une moule farcie! Ouais, t'as raison!